Au milieu des prêtres, des pasteurs, vous trouvez des pédophiles, des adultères, des menteurs, des gens qui sont là, ils ont fini de porter la soutane. On dit non, tu ne dois pas connaître garçon, et puis elle tombe enceinte, elle fait avortement. Tout ça, on trouve. Il y a des pasteurs qui font ça. C'est-à-dire que les gens sont religieux, mais ils ne se rendent pas compte que la religion ne change pas le cœur de l'homme. Quelles que soient les religions dans le monde, il n'y a aucune qui change le cœur de l'homme. Allez voir l'hindouisme, le bouddhisme. On est pareil. Les gens là-bas, ils ont fait shintoïsme. Les shintoïstes se sont battus avec les Chinois qui sont bouddhistes. Ils ont massacré la Chine. La Chine aussi a massacré d'autres personnes. Quelle différence il y a? On était ici en Afrique, et nos religions s'entretuent entre nous ici. Dans tous les pays, il y a la guerre. C'est la même haine, la même amertume, le même péché. Le péché n'est pas rattaché à la couleur de la peau. Il y en a qui sont en train de discuter sur une affaire de religion, religion des Noirs. Mais Dieu, qu'est-ce que tu as à foutre avec vos religions? Vous étiez plus gentil ici en Afrique quand vous avez vos religions? Non. Vous faisiez la guerre. Vous faisiez la guerre. Vous vous tuez. Il y avait des esclaves. Des femmes qui étaient vendues en esclavage. C'est de ça, Jésus. C'est ce que Jésus est venu enlever. C'est ce que Jésus est venu traiter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le péché, quel que soit le nom religieux que vous avez, le péché vous rend mangeable par le serpent. Soyez bouddhiste, soyez musulman, soyez catholique, soyez protestant, soyez vase d'honneur, vous êtes vulnérable. Si tu mens, si tu voles, si tu triches, si tu planifies le mal, si tu es lâche, comment tu vas faire pour tromper ton mari? Comment tu vas faire pour tromper ta femme? Tu es mangeable. Si tu réfléchis à comment tu vas faire pour voler l'argent dans ton entreprise, mais tu es dans la poussière. Si tu prends l'argent qui n'est pas à toi, peu importe le titre que tu as, tu es poussière. Appelle-toi pasteur, appelle-toi bishop, appelle-toi prophète international.